Quel que soit l'amour qu'on puisse porter au cinéma, je pense qu'il est depuis longtemps devenu intenable de ne pas reconnaître l'extrême puissance narratrice et immersive des meilleures séries au monde. En un mot, commençant, j'adore les séries, du moins certaines, et j'avais très envie de partager avec vous mes attentes pour cette année 2024, que je vous souhaite merveilleuse, envers et contre tout. À la 16e place, un peu virtuelle, de ce classement des séries de 2024, bien sûr, il y a celle de 2025. Et ouais. Bon, je reconnais, vous allez me prendre pour un débile, hein, mais d'expérience, je sais bien qu'on me parlera en commentaire de telle ou telle série qu'on espère pour 2024, mais dont on sait déjà avec une quasi-certitude qu'elles arriveront en 2025 au plus tôt. En effet, de nombreuses sorties ont été décalées du fait des indispensables grèves des scénaristes et acteurs qui ont secoué Hollywood. Cela vaut autant pour les séries que pour les films, bien sûr. Parmi les séries qu'on aurait aimé voir en 2024, j'attends notamment la série Alien, développée par Noah Hawley, à qui on doit notamment les séries Fargo et Légion. L'action se situera avant celle du premier film Alien, le 8e passager. Développée pour Hulu, on suppose qu'elle sera diffusée en France sur Disney+. Autre série repoussée à 2025, Daredevil Born Again, un retour aussi attendu que redouté pour un personnage qui a eu droit à l'une des meilleures séries de super-héros de tous les temps, mais du temps de Netflix justement. On aura l'occasion d'en reparler dans quelques instants. Le Mandalorian ne reviendra pas non plus avant 2025, de même que Silo, l'adaptation sur Apple TV+, dont je vous recommande la première saison, même si elle prend un peu son temps en cours de route. Étonnamment peut-être, d'autant que je n'y ai toujours pas consacré de vidéo à part entière, la suite que j'attends le plus est celle de From, série horrifique, aux accents lostiens, dont les deux premières saisons sont dispo sur Paramount+. From a des défauts, mais j'ai rarement été aussi excité par les révélations que pourrait apporter une série sur ses mystères, et j'apprécie beaucoup certaines ambiances d'épouvante instaurées par les meilleurs épisodes. En résumé, regardez From. From. Évidemment, il y aura bien d'autres séries attendues en 2025, comme The Last of Us saison 2, Stranger Things saison 5, la dernière, et j'en passe, mais il est temps d'en venir, pour de bon cette fois, à l'année 2024. En numéro 15, donc en théorie la série que j'attends le moins parmi cette sélection de celles que j'attends le plus, hein, vous suivez, c'est Echo, une mini-série de 5 épisodes qui sera disponible en France dès le 10 janvier dans son intégralité sur Disney+. De base, je n'aurais absolument rien parié sur ce spin-off de la série Hawkeye qui, à mes yeux, n'avait qu'une partie de sa distribution à sauver et pas grand-chose d'autre. Néanmoins, depuis, deux bandes-annonces ont été diffusées et la tonalité de la série semble lorgner du côté de Daredevil tel qu'il était apparu sur Netflix à l'époque, dans toute sa besogneuse gloire. Par ailleurs, Echo inaugure un nouveau label dénommé Spotlight qui désigne les œuvres de l'univers cinématographique Marvel qu'on peut suivre sans forcément avoir connaissance du reste. En résumé, une histoire et des personnages qui se suffisent à eux-mêmes, du moins en théorie. Il ne fait toutefois aucun doute qu'un événement marquant de la fin de la série Hawkeye sera traité dans cette mini-série et qui concerne Wilson Fisk, le Caïd, qui a pris la jeune Echo sous son aile suite à la mort de son père, mort dont le Caïd était bien entendu responsable. Je suis intrigué à la fois par la tonalité violente, par ce nouveau label, par les thématiques et par les rôles, qui joueront notamment Wilson Fisk sous les traits de Vincent D'Onofrio et Matt Murdock en personne qui devrait faire une apparition dont l'ampleur reste à découvrir. Même si le traitement des personnages d'Echo et de Wilson Fisk n'était pas du tout à mon goût dans la série Hawkeye, je me dis que cette mini-série pourrait redresser la barre. J'ai toute confiance pour ce faire dans les interprètes, il faut juste que les scénaristes et réalisateurs n'aient pas totalement foiré le reste. Cette mini-série a une importance non négligeable car elle devrait donner le ton quant au traitement de Daredevil et Kingpin avant de voir la série Daredevil Reborn en 2025. Daredevil Reborn est couvé avec une attention extrême par Kevin Feige et les studios Marvel en général, à tel point que plusieurs mois de travail ont été jetés à la poubelle car les premiers résultats ne donnaient pas satisfaction. Autant vous dire que le studio joue gros sur ses personnages car la comparaison avec les saisons initialement diffusées sur Netflix sera implacable et les fans intransigeants. C'est d'autant plus vrai si on en croit certaines rumeurs qui mettraient le Caïd au centre des problèmes que devraient résoudre par la suite plusieurs super-héros dans des films à venir, notamment un hypothétique Spider-Man 4. Verdict le 10 janvier donc, puisque Echo sera aussi la première série Marvel dont tous les épisodes seront disponibles dès sa mise en ligne, comme indiqué précédemment. Passons à la 14e position avec The Penguin, la série dérivée du film The Batman. Pour partir sur de bonnes bases, j'ai vraiment apprécié The Batman de Matt Reeves.
Dans le film, Oswald Cobblepot apparaît un peu comme un loser, mais la série devrait justement proposer une version mafia du rêve américain, alors que le pingouin se hisse au sommet de la pègre de Gotham à la suite des événements du film. On sait que la série comptera 8 épisodes et qu'elle est attendue sur Max, la plateforme qui s'appelait HBO Max auparavant, fin 2024, sachant que The Batman 2 est attendu, lui, en salle pour 2025. Alors certes, je suis curieux de ce projet qui pourra compter sur le retour de Colin Farrell dans le rôle-titre et des pointures qui arrivent comme Clancy Brown ou Shohreh Aghdashloo, mais si le classement de cette série est relativement bas, c'est aussi que je me méfie un peu d'une histoire centrée sur un méchant de Batman sans que le fameux héros ne soit lui-même présent. Si vous vous posez la question, l'univers de The Batman est parallèle à celui que James Gunn développe pour DC, mais on a appris que Matt Reeves pourrait aussi superviser des projets s'inscrivant bel et bien dans ce nouvel univers DC, qui semble donc partir sur des bases aussi floues que son prédécesseur. En 14e position, ex-aequo, eh oui, je triche, je m'en fous, c'est ma vidéo, c'est comme ça, j'ai choisi un outsider, Mr. Spade. Outsider parce que la série sort un peu de nulle part, mais d'un autre côté, on retrouve un héros mythique, Sam Spade, du Faucon Maltais, de Dashiell Hammett, et surtout un showrunner ultra talentueux en la personne de Scott Frank, à qui on doit déjà Godless et Le Jeu de la Dame. Sam Spade a 60 ans et vit dans le sud de la France. Nous sommes en 1963 et un jeune garçon est poursuivi par plusieurs services secrets. Le détective sexagénaire qui voulait profiter tranquille de sa retraite au soleil va devoir salement en sortir. Évidemment, la présence de Clive Owen dans le rôle titre n'est pas non plus pour rien dans mon intérêt pour ce pari, même si la bande-annonce est un peu molle, je l'avoue. Mr. Spade sera le 14 janvier sur AMC et pour la France, vous vous débrouillerez certainement pour trouver. La 13e série dans mes attentes 2024 n'est autre que The Walking Dead, The One Who Live. Et oui, je suis moi-même étonné de la présence de ce titre, mais comme je m'efforce toujours d'être le plus honnête possible avec moi-même pour l'être avec vous, je dois reconnaître que je suis vraiment curieux de retrouver Rick et Michonne réunis pour un baroud d'honneur. On ne sait même pas encore combien d'épisodes comptera cette conclusion, mais sa diffusion devrait débuter le 25 février sur AMC, reste à voir ce que ça signifie pour la France, peut-être Paramount Plus, comme pour la série Daryl Dixon, dont mon monteur me dit plutôt du bien et ma compagne plutôt du mal. Toujours est-il que pour moi, Rick et Michonne font partie des meilleurs personnages et leurs interprètes sont sans doute les meilleurs tout court de l'univers de The Walking Dead. En y ajoutant Terry O'Quinn, voilà qui suffit à me donner vraiment envie de plonger une toute dernière fois dans cet univers alors que j'ai abandonné la série principale à la fin de sa 9e saison. A noter, Danai Gurira est crédité à la création et à l'écriture de la série. En revanche, on retrouve Scott Gimple en showrunner, ce qui me rassure moyennement, suite à certains de ses choix désastreux sur l'adaptation de la série principale, qui mourra verra. Passons à la 12e place avec Avatar, le dernier maître de l'air attendu sur Netflix le 22 février, soit sans doute le 23 au matin, pour nous en France. Avec 8 épisodes, il s'agit d'adapter en live action la première saison du dessin animé éponyme. Il ne fait aucun doute que cette tentative est maintenant attendue avec d'autant plus d'enthousiasme que l'accueil réservé à la série live One Piece a été très largement positif. On sait toutefois que les créateurs originaux ont quitté le projet en 2020 après y avoir travaillé pendant 2 ans, en citant des différences créatives pour expliquer cette délicate décision, la plus dure de leur carrière. Dans une lettre ouverte publiée alors, ils expliquaient ne pas pouvoir contrôler la direction créative de la série. En gros, l'adaptation sera peut-être bonne et des gens talentueux y ont travaillé, mais elle ne correspond pas à ce que les créateurs originaux d'Avatar souhaitaient en faire. On sait que le budget est comparable à celui de One Piece avec 15 millions de dollars par épisode. C'est plutôt confortable donc, et les premières images semblent vraiment collées au code visuel établi par le dessin animé créé en 2002. Je suppose qu'on aura le droit à une adaptation fidèle mais ne prenant aucun risque, un peu comme celle de One Piece, qui, personnellement, ne m'a que modérément convaincu. Si la série apparaît sur cette liste, c'est que je reste néanmoins extrêmement curieux d'en découvrir le résultat. Je pense aussi qu'il y a un potentiel pour quelque chose de visuellement abouti. Nous voilà au numéro 11 et on reste chez Netflix avec le problème à 3 corps, l'adaptation du premier tome d'une trilogie de science-fiction chinoise du même nom. D'une manière assez amusante, on suit pour l'instant le calendrier des sorties, puisque cette série est annoncée pour le 21 mars aux États-Unis, donc sans doute le 22 mars pour nous en France. Voilà un morceau aussi ambitieux et prometteur qu'épineux, et ce pour plusieurs raisons. Le problème à 3 corps propose de la hard SF, c'est-à-dire de la science-fiction qui s'appuie en théorie sur des bases scientifiques solides. Et je dois dire que dans le premier livre, on met du temps à savoir qu'on se situe vraiment dans le genre SF
en suivant simplement l'histoire, dont l'essentiel se déroule pour le premier tome donc sur deux époques explorées en parallèle dans les années 70 et 2000 en Chine. Je ne vous spoilerai rien du tout, mais disons que le roman propose une approche très différente de ce à quoi un lecteur occidental peut être habitué. Ce premier tome n'est pas exempt de défauts et se perd parfois en longueur injustifiée, mais disons que l'adaptation a un fort potentiel. Ajoutez à cela le fait que ce projet est celui de Daniel Weiss et David Benioff, qui ont été autant encensés que vilipendés pour leur travail sur Game of Thrones. En l'occurrence, sur un texte ayant déjà une fin écrite, j'aurais tendance à leur accorder un certain crédit, puisque Game of Thrones n'a commencé à partir en cacahuète que peu de temps avant de dépasser ce moment de l'intrigue qui avait été atteint par les livres auparavant. En juin 2019, l'auteur de ces livres de SF soutenait publiquement la ligne autoritaire du gouvernement chinois, et même jusqu'à la terrible oppression dont sont victimes les Ouïghours. À l'époque, des sénateurs américains avaient même appelé Netflix à annuler le projet d'adaptation, mais depuis, tout le monde a un peu oublié cette histoire que j'ai découverte à l'occasion de l'écriture de cette vidéo. En résumé, je regarderai la série, sinon elle ne serait pas dans ce classement, mais je me garderai d'acheter un autre livre de Liu Cixin. En 10e position, j'ai choisi la mini-série The Regime avec Kate Winslet sur HBO, attendue le 3 mars prochain aux États-Unis, sans doute le 4 en France. Ce sera diffusé, je suppose, sur le pass Warner de Prime Video, puisque la disponibilité de la plateforme Max en France devrait survenir durant l'été 2024. Cette mini-série suit une chef d'État à nette tendance dictatoriale en la personne de Kate Winslet et se paye le luxe d'avoir Stephen Frears à la réalisation d'une partie de ses 6 épisodes, sachant que les autres seront réalisés par Jessica Hobbs, dont le travail a déjà été récompensé pour la série The Crown. C'est simple, la bande-annonce a suffi à me convaincre qu'il fallait absolument voir cette satire politique centrée sur la dérive autocratique saupoudré de culte de la personnalité dans un état fictif d'Europe centrale. État ayant sans doute succombé à la vague d'extrême droite, pour ne pas dire potentiellement fasciste, qui secoue déjà notre monde réel. Magnifique. Petite curiosité pour nous, Guillaume Gallienne interprétera le mari de la dictatrice dont la personnalité a de toute évidence motivé Kate Winslet à rejoindre ce projet original et audacieux. On notera aussi Matthias Schoenaerts et Hugh Grant à la distribution, le tout sous la houlette du créateur et showrunner Will Tracy, qui a notamment été scénariste sur l'excellente série Succession. Au vu de la grande qualité de la dernière mini-série HBO avec Kate Winslet en rôle principal, à savoir Mayor of Easttown, que je vous recommande chaudement, je me dis que ça pourrait être excellent. La 9e place revient à Shogun, une mini-série qui commencera en France sur Disney+, le 27 février, avec les deux premiers épisodes, sur un total de 10. Shogun est une nouvelle adaptation du roman de 1975 qui avait donné lieu à une version qui avait grandement marqué le petit écran au début des années 80 avec Richard Chamberlain et Toshiro Mifune. Un commandant de navire anglais, John Blackthorne, va prendre une place croissante auprès du seigneur japonais Toranaga. Nous sommes en 1600 et une guerre pour le pouvoir couve déjà au Japon. La traductrice japonaise Toda Mariko aura aussi un rôle important à jouer dans un Japon où les chrétiens sont souvent considérés avec une certaine méfiance et pour cause, d'autant plus que la Mariko a tout l'air de loucher un peu du côté de Blue Eye Samurai niveau badasserie. La bande-annonce est somptueuse, le casting puissant avec Hiroyuki Sanada en tête d'une distribution largement japonaise, en toute logique. Alors oui, je sais bien qu'en ce moment la mode est à la Corée, avant que ça ne change à nouveau dans quelques années, mais voilà bien une proposition qui pourrait nous offrir de grands moments de télévision dès la fin du mois de février. Numéro 8 de ce classement, The Acolyte, voilà la série Star Wars la plus prometteuse depuis longtemps puisqu'elle nous emmène 100 ans avant la menace fantôme au crépuscule de la Haute République pour nous entraîner dans des intrigues inquiétantes autour de la montée en puissance des Sith. La série est prévue pour 2024 sans plus de précision, même si certains supposent qu'elle arriverait dans la première partie de l'année, ça reste à voir. Vous le savez peut-être déjà, la Haute République a été développée essentiellement via des romans et des bandes dessinées dans l'univers Star Wars, une époque marquée par de nombreux Jedi, bien sûr, et la présence, dans l'ombre, des Nihil ou encore de Darth Plagueis. Apparemment, la série pourrait s'intéresser, plus que d'habitude, au point de vue des antagonistes et piocher du côté de l'ambiance Wuxia, film de sabre chinois en gros. La série comptera 8 épisodes et sa showrunner est Leslie Headland, notamment connue pour Russian Doll. Côté distribution, on a Amanda Stenberg et Lee Jung-jae dans les rôles principaux, sans oublier Manny Jacinto, Daphne Keen ou encore Carrie Ann Moss. On aura aussi un maître Jedi Wookiee, et ça c'est beau, il ne fait aucun doute que si la série
pourrait éventuellement décevoir, elle a surtout le potentiel d'aller dans des directions nouvelles pour profiter de l'immense richesse de l'univers Star Wars. En 7ème position, j'ai sélectionné la série Fallout, attendue le 12 avril sur Prime Video. Série de SF qui adapte un célèbre jeu vidéo post-apocalyptique, Fallout est entre les mains du duo créatif qui nous a apporté la série Westworld, Jonathan Nolan et Lisa Joy, bien sûr. Fallout dépeint un monde uchronique qui a été dévasté par un conflit nucléaire de très grande ampleur. Dans le jeu vidéo, il a opposé les États-Unis à la Chine. Cette version du monde se caractérise par une ambiance post-apocalyptique rétro-futuriste qui explore une esthétique années 50 matinée de technologies atomiques avec des avancées concentrées dans le domaine de l'armement. Des humains qui sont supposés descendre de l'élite mondiale ont survécu dans des abris de la société Voltec, tandis qu'à l'extérieur, la faune comme les survivants humains ont muté. Fallout donne la part belle à la propagande inspirée par la guerre froide et à une critique acerbe du pouvoir et des sociétés humaines en général. Cette adaptation pourra compter sur le talent d'Ella Purnell, qui sortira d'un des abris nucléaires dans lequel officie notamment le personnage de Kyle MacLachlan, tandis que Walton Goggins jouera l'un des mutants de l'extérieur. 8 épisodes sont prévus et la série a le potentiel d'être fabuleuse, même si la déception reste possible, il faudra suivre ça de près à partir du 12 avril. Voilà déjà la 6ème place que j'octroie à True Detective saison 4, attendue sur HBO ou chez nous sur le Pass Warner, et ça arrive très vite puisque ce sera le 15 janvier pour nous en France. En Alaska, 8 hommes disparaissent sans explication d'une station de recherche. Le mystère n'attend plus que des protagonistes assez folles pour venir se perdre en son sein. Si vous l'ignoriez encore, dans l'anthologie True Detective, chaque saison est indépendante et propose une histoire complète avec ses propres personnages. Jusqu'alors, on a eu 2 points communs entre chacune de ces saisons de True Detective. Le premier, c'est que des gens mènent une enquête, et le deuxième, c'est que Nick Pizzolatto travaille au scénario. Sur cette 4ème saison, toutefois, ce créateur original de True Detective, Nick Pizzolatto, n'a rien écrit, même s'il reste producteur exécutif. Et dans les rôles de showrunner et à la fois de réalisatrice, on a cette fois Issa Lopez, qui s'est déjà fait remarquer pour son film Tigers Are Not Afraid. Le consensus général reconnaît que la première saison de True Detective reste nettement au-dessus des autres, à tel point qu'elle pourrait concourir sans doute dans un classement des meilleures séries de tous les temps. Et je n'ai toujours pas vu la saison 2, malheureusement relativement décriée, même si elle a clairement ses défenseurs, hein, et j'avais bien apprécié la saison 3 à laquelle j'avais consacré une vidéo sur la chaîne. Quoi qu'il en soit, cette saison 4 me fait de l'œil de manière éhontée depuis l'annonce du casting, sachant que cette odieuse séduction n'a fait que monter en flèche avec une bande-annonce au charme polaire. Jodie Foster et Kali Reiss, un duo qui vend du rêve, avec une actrice à l'excellence proverbiale et une championne de boxe devenue actrice qui semble avoir un sacré répondant. On a aussi les excellents Fiona Shaw et Christopher Eccleston à la distribution. Tournée en Islande, les 6 épisodes nous promettent des sueurs froides et la potentielle réapparition de symboles qui ont marqué la première saison de True Detective, autant vous dire que je suis vraiment à fond. La série aurait pu monter encore plus haut dans ce classement, mais je ne veux pas non plus trop m'emballer, il nous reste à croiser les doigts et à attendre quelques jours à peine. En numéro 5, on trouve The Boys saison 4, même équipe, toujours en 8 épisodes, et pour une date indéterminée de 2024, même si on peut supposer que la saison sera largement prête avant l'été. Pas la peine d'épiloguer, je pense que ceux qui adorent The Boys savent pourquoi, tout comme ceux qui détestent. Discours subversif sur la déchéance ultra-conservatrice, populiste et hyper-capitaliste de la société américaine, et plus largement, aucune limite ou presque dans le trash, et pourtant, des personnages fouillés et une ligne de plus en plus incertaine entre les bons et les mauvais, du moins pour la plupart des personnages. On sait que dans cette saison 4, Victoria Neumann s'approche dangereusement de la Maison Blanche comme candidate à la vice-présidence, tandis que le procès de Homelander pour le meurtre au grand jour d'un manifestant doit avoir lieu et certainement lui fournir une tribune parfaite pour galvaniser ses fans débiles, cyniques et ou fascistes, à vous de cocher les cases de votre choix. Je pense que la série a depuis longtemps dépassé l'œuvre qu'elle adapte en termes d'acuité du propos, et dans le pays des adaptations, c'est chose assez rare pour le souligner. Anthony Starr est déjà établi comme l'interprète d'un des méchants les plus marquants de l'histoire de la télé, et ça risque de se confirmer d'autant plus avec cette saison 4. Au pied du podium et donc en 4ème place est Arcane saison 2, dont la sortie a été confirmée pour 2024 par Netflix. Arcane, c'est bien sûr l'adaptation animée de l'univers du jeu vidéo League of Legends. Avant de voir ses 9 épisodes, fin 2021, je dois dire que je n'y portais pas d'intérêt particulier, et pourtant, j'ai été totalement cueilli par la maîtrise narrative et visuelle de cette pépite. Je vous parlais déjà d'Ella Purnell dans Fallout, et bien elle reviendra en comédienne voix pour Jinx, de même qu'Hailee Steinfeld pour V,
et Cathy Long en Caitlin. Apparemment, c'est le mois de novembre 2024 qui serait visé, mais on n'est pas à l'abri d'un report sur décembre, voire pire. On sait ce que c'est, hein, l'animation représente un travail énorme. Je pense qu'on peut carrément compter sur Riot et surtout Fortiche, même si on se doute de l'énorme pression qui consiste à être à la hauteur du succès de la première saison. Entre les intrigues de pouvoir de la cité haute de Piltover et les sombres machinations ourdies dans les profondeurs de Zaun, la saison 2 ne manquera pas de matière et introduira sans doute le personnage de Warwick. Entre la guerre, la magie et la science, les drames interpersonnels, il faut s'attendre à un grand 8 émotionnel, vivement. La troisième position de ce classement revient à Severance, saison 2, que j'espère de tout cœur voir arriver en 2024, mais ça semble bien parti pour. Severance était la grosse surprise de 2022, à n'en pas douter, d'autant plus pour une série totalement originale. Si vous n'avez pas encore vu la première saison, foncez, c'est disponible sur Apple TV+. Severance propose à la fois une réflexion sur le monde de l'entreprise, la façon dont l'humain gère ses traumatismes, et une galerie de personnages fabuleux sur fond d'intrigues passionnantes. J'avais bien sûr consacré une vidéo à la première saison qui reste longtemps en tête et dont le charme continue de faire effet sur moi plus d'un an après. Cette distribution incroyable de grands noms et de nouveaux venus qui se payent même le luxe d'avoir Christopher Walken dans un rôle secondaire, c'est totalement fou, le tout baigné dans une ambiance musicale qui ne fait qu'amplifier cette personnalité déjà si singulière de l'œuvre. Entre humour, suspense, philosophie, satire sociale et mystère, Severance est un ovni comme on n'en voit que très rarement. Aucune date officielle pour un retour extrêmement attendu et ce malgré un récent teasing sur les réseaux sociaux d'Apple TV+, au sujet de la série. Toutefois, Ben Stiller, producteur, a confirmé que l'équipe est au travail, espérons que ça arrive d'ici la fin de l'année. La deuxième marche du podium des séries les plus attendues de 2024 revient, pour moi, aux Anneaux de Pouvoir saison 2, et oui, je persiste et je signe. Malgré d'indéniables défauts d'écriture, de rythme, la première saison des Anneaux de Pouvoir reste, pour moi, un fabuleux moment de fantasy, et j'ai terriblement hâte de découvrir ce que nous réserve la saison 2. Aucune date officielle pour le moment, mais l'automne 2024 me semble maintenant extrêmement probable. Ma curiosité porte sur tous les personnages car des axes de développement passionnants ont été ouverts par la première saison qui avait la lourde tâche de poser un ensemble très vaste tout en dépeignant la Terre du Milieu du deuxième âge. Alors je suis peut-être trop optimiste mais je compte sur une amélioration sur de multiples niveaux tout en maintenant une qualité visuelle déjà remarquable en première saison. Outre les notions de subjectivité et de critique légitime, nous ne nous voilons pas la face, la série a fait face à une vague de haine phénoménale et au moment même de vous parler de mon envie de voir la suite, je dois résister aux réflexes défensifs qui me pousseraient presque à m'excuser de mon appréciation pour elle. Eh ouais, nous vivons une drôle d'époque marquée par des drames sans commune mesure, avec des questions de guéguerre internet, même si la haine facile reste un symptôme inquiétant pour tout le reste, mais quoi qu'il en soit, je serais ravi d'entendre enfin résonner ce magnifique thème musical pour de nouvelles pages à tourner dans l'épopée des peuples d'Arda. Je pense que la première place réservée à House of the Dragon saison 2 ne surprendra personne. Je m'attendais à une série de qualité avant la première saison, mais je ne pensais pas que la réussite serait aussi éclatante. Il est encore temps de regarder la vidéo que j'ai consacrée à l'analyse de la première bande-annonce de cette saison 2 attendue pour cet été 2024. Je n'ai guère de doute quant à l'intensité de ce qui nous attend au fil de 8 épisodes contre les 10 que comptait la première saison. Ce choix de 2 épisodes de moins doit notamment s'expliquer par les coûts énormes des batailles qui marqueront déjà cette saison 2, sachant que la série devrait s'achever au bout de 4 saisons. Les camps des Noirs en faveur de Rhaenyra et des Verts soutenant les fils d'Alicent n'ont pas fini de s'écharper. À vrai dire, ils viennent à peine de commencer en fin de saison 1, et dans celle-ci, la danse des dragons commence pour de bon. Ma principale crainte, déjà exprimée dans l'analyse du trailer, porte sur la tonalité désespérément sombre de la série, et spécifiquement de cette saison, car on pourra difficilement compter sur des moments de lumière comme on peut en avoir bien plus facilement dans Les Anneaux de Pouvoir par exemple. La dureté du monde et de l'histoire voulue par J.R.R. Martin sont ainsi, mais je me demande si l'adaptation tentera d'introduire de nécessaires moments de grâce et de tendresse dans tout ça. À vrai dire, je pense que ma question est presque rhétorique, car je suppose que d'aussi bons scénaristes auront forcément pensé à cette question et trouveront la chaleur et la bonté dans de rares moments d'intimité ou d'héroïsme.
Quoi qu'il en soit, on sait que ça va faire mal et c'est évidemment pour ça aussi qu'on suit avec fascination ces histoires terribles de Westeros. Si vous manquez de vous abonner à la chaîne ou d'exprimer en commentaire vos propres attentes et classements pour cette année 2024, je me verrai dans l'obligation de vous coincer dans une boucle temporelle qui vous laissera pour seul programme disponible la saison 60 de l'Inspecteur Derrick en version originale et sans perruque. Deux mentions spéciales maintenant pour des séries qui auraient pu remplacer l'une ou l'autre de celles qu'on trouve plutôt dans le bas de ce classement de mes attentes personnelles et subjectives. Il s'agit de Fargo saison 5 et de Masters of the Air. Du côté de l'anthologie Fargo, c'est allé de sympathique à excellent et on a cette fois au casting Juno Temple de Ted Lasso, Jennifer Jason Leigh et quand même John Hamm s'il vous plaît. Noah Hawley reste aux commandes et les premières réactions semblent très positives sur cette saison 5. Concernant Masters of the Air, c'est la suite en quelque sorte des mini-séries consacrées à la Seconde Guerre mondiale, Band of Brothers et The Pacific. La série produite par Steven Spielberg et Tom Hanks ne revient pas sur HBO mais sur Apple TV+, le 26 janvier. Pensez à utiliser YouTube sans toujours vous en remettre à son algorithme qui fait la part belle à l'outrance des titres et des miniatures, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut !